Salut à tous et bienvenue sur Alien Isolation avec Damso. Alors, quand j'ai commencé à tourner cet épisode, le jeu a planté. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait. Je suis parti en face là-bas, dans les couloirs, et j'ai trouvé un medikit et du matos pour medikit. Donc maintenant je vais retourner là-bas, affronter les pecnos. Et je vais essayer les savates. Je vais leur montrer c'est qui le plus fort. Première chose. On savate le mur. Toujours montrer qu'on est plus fort que le mur. Là je rentre là-dedans. Medikit tout de suite. Voilà, un bon coup d'adrénaline. C'est le prochain qui arrive, je défonce sa race. Alors je sais que je dois attendre deux personnes. Ça y est, la porte s'ouvre. Donc ils vont être deux à passer devant moi. Ah non, là c'est pas ce que... Je m'attendais pas à ça. Là j'avoue qu'ils m'ont eu. Ça devait pas se passer comme ça normalement. Il y a lui là-bas. Ouvrez l'œil, les gars. Ouvrez l'œil. M'a fait peur, toi. Bon, bah, du coup, je vais devoir un. S'ils pointent le bout de leur nez, on leur tire dessus, pas vrai? Vérifiez dans les repos, il pourrait y avoir n'importe quoi. Bon, apparemment, j'en ai un avec moi. Vu qu'il est à gauche, il est bloqué avec moi. Donc s'il repasse devant moi, je sors, je le tue. Chercher. J'ai tout pris. Oui, demandez-vous c'est quoi ça, j'ai encore frappé le mur. On a eu un. Allez les mecs, faut venir. J'ai tué l'un des vôtres. Ils m'ont pas entendu ou quoi? Punaise. Je recommence. Allez quoi les mecs, là je vous attire, viendez. Punaise, ils veulent pas venir. Je suis dans le caca. Au hasard. Non, ça ne fonctionne pas comme bouton. Comment ils veulent que j'aille les traquer? J'ai pas de détecteur de mouvement encore, comme dans Alien. Je suis dans le caca. Du coup, ils sont trois là-dedans. Voilà la difficulté de la mission, quoi. Hop. Personne. C'est quelqu'un qui est debout, je le vois là ou pas? Non. Personne. Ouah, s'il y a quelqu'un.
Moi je confirme, il y a quelqu'un. Vite, medikit. Bon mec, tu m'as vu maintenant, tu sais où je suis. Ça te dirait de venir me voir? Allez, viens me voir. Sincèrement, si tu viens pas, je peux rien faire parce que tu... Je suis dans ta ligne de tir. Moi, je vais devoir me suicider, je pense, parce que sinon, je vais rien pouvoir faire. Hein. Dans les conduits, on peut pas se taper. C'est bizarre ça. Bon bah, je suis obligé de ressortir. Je suis obligé de faire comme ça de toute manière. C'est bon, t'as toujours envie de me tirer dessus ou pas? Tu me vois pas normalement, je te vois pas, tu me vois pas. Ah putain, il m'a mis un tir. Est-ce qu'ils ont munitions illimitées? Punaise, en plus ils sont intelligents. Je ne voyais même pas qu'ils m'avaient déjà tiré dessus. Bon, on va tenter. Sauf que cette fois, je vais essayer de mieux réussir. Non mais là, c'est des fous, hein. Genre, les humains, c'est les meilleurs chasseurs, quoi. Ils sont devenus plus intelligents que l'alien. Voilà. Tout à fait, elle est dans les conduits. Petit coup. Allez, maintenant, ramenez-vous, ils vous défoncent. Qu'ils arrivent. Ça y est, ils arrivent. Ok, criez quand vous les trouverez. Alors, ça fait combien? Ça en fait un. Regardez partout. Y'a que un? Je me casse. Heureusement que j'ai du midi qui tient. Là, en prévision du prochain combat, je suis obligé d'activer. Bon, il y en a un qui est passé déjà. J'en ai vu un aller à gauche. Si je le renvoie passer, je sors et je l'assassine. T'as pas envie de repasser? Je sais qu'il en reste que deux. Si je tue celui-là, il en reste plus qu'un. Qu'on en finisse. On dirait que quelqu'un s'est fait buter.
Mince, terrible des doux. Ah là là, ils sont chiants. Mon Dieu, j'en avais buté 3. C'est le dernier qui m'a tué. Attendez, plutôt que d'aller là-bas, comme je sais qu'il y en a un qui est par là, bah je vais directement par moi-même essayer de faire un tour par là. Ah non, c'est pas ce bouton-là, pardon, hop. C'est le bouton E pour actualiser la carte. Attends, moi j'ai la carte de la zone. Et de synthétique vous remercie de votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. Par là! Les gars, on a un intrus! Par là! Mec! Putain, tireuse d'élite, la fille! Donc, c'est bien ce que je pensais, il y en avait un en bas. Donc, plutôt que de foncer comme un taré, je vais essayer de tuer celle du bas. Sauf que je vais essayer de la faire en mission un peu commando. T'es où alors? Veuillez nous excuser pour les perturbations affectant actuellement le service. Ça me pose la question, elle vient d'où la fille? Comment ça se fait qu'elle est là? Ah voilà! Je sais pas comment j'ai fait pour trouver ici, enfin, simplement pour te rater! Bon bah voilà quoi! Pourtant j'ai passé 46 fois ici, comment t'as fait pour venir là? Bon maintenant qu'on en a tué un, on va sauvegarder. Voilà, ça sauvegardé. Maintenant, je me souviens que de ce côté-là, j'ai la carte à télécharger. Et oui. Il n'y a rien du tout pour l'instant. Donc là, maintenant, je vais de nouveau frapper à la porte. Allez mec, faut venir. Je vous ai dit que j'étais là. Je rentre pas là-dedans si j'en tue pas un peu. Voilà, j'arrive. Je crois qu'ils étaient par là. Faut que j'en compte au moins 2. Un. Vous les voyez? On va les défoncer, pas vrai? J'entends... deux voix différentes aussi. Commencez les recherches. On perd notre temps. J'ai un truc qui s'est ouvert à gauche. Ouh, j'ai entendu tirer. Est-ce que le mec qui va réfléchir et se dire que j'étais dans les conduits? Peut-être tant que le sas est fermé, il se passera pas grand chose.
entendu un bruit à gauche ou pas là? Non. Alors le sas il veut pas s'ouvrir. Putain, le mec il m'a tiré dessus quoi. J'essaie de mettre sur les bruits mais je n'entends pas. J'ai piqué le corps comme ça. Alors sache que je vais tenter c'est de faire ça. Non, le problème c'est qu'ils sont deux. Mais même moi je le vois pas, il me tue, c'est pas possible ça sincèrement. Comment vous voulez qu'il fasse quelque chose, ils viennent pas. Bon déjà la fille, je suis désolé pour toi mais je vais t'assassiner maintenant. Maintenant que je sais où tu vis. Je suis bête, j'ai sauvegardé, mince. On appelle ça un défaut de cerveau temporaire. Comment perdre du temps? Je suis trop fort dedans. Hop là, je prends ta carte. J'ai refrappé et j'espère qu'il y en a un peu plus qui vont venir. Voilà, vous avez vu, j'ai frappé, je suis là. Allez, viendez. Viendez vous battre. C'est bon, t'arrives. On n'est pas. Un qui passe. Continuez de chercher. Ils peuvent pas être bien loin. C'est à ma gauche qui parle, donc c'est lui. Faites bien qu'ils sont partis. Je crois qu'ils étaient sur tous les actes. Je vérifie qu'il n'y en a pas un qui s'est caché par là. Bon, il ne reste plus qu'un. Juste un. J'entends rien. À mon avis, il est pas passé, il a pas passé le sas. Il est toujours de l'autre côté. L'autre, il est de l'autre côté. Comme une tarlouse, on t'est 3, je vais aller sauvegarder. Comme on dit dans la vie, il faut assumer sa tarlouse. Il faut être une sacrée tarlouse. Où êtes-vous ? Non.
pas compris la question. Ouais. Ok. Bon. Ben on va tenter. Maintenant c'est commando. Un contre. Un 1-1 comme on dit. Quel côté il va être? Ça, je peux pas y aller pour l'instant. Trouvez, il est en face. J'ai eu du mal à te trouver, mais t'es trouvé, hein. En fait, le titre Alien Isolation, c'est pour moi. C'est moi le prédateur. C'est moi qui chasse les humains. Bien. Ah bah je les ai fait enfin. Donc on va tout fouiller maintenant. C'est quoi ça? Niveau de sécurité trop élevé. Un dictionnaire, ça pourrait m'intéresser. T'es mec, ils jouent un jeu de cartes ici. Ça y a rien du tout. Ça, c'était ce qu'on appelle le coin d'écho. Toi, je t'ai fouillé. Là, il n'y a que dalle. Ce routeur-là, à quoi il sert? Ce système de routage-là, qu'est-ce qu'il va router? Système purification de l'air. Ah, purification de l'air, si tu pouvais t'enclencher. Bon, on va enlever le système instable et tu vas me purifier l'air. Merci. Ah, c'est ça la purification de l'air en fait, c'est mettre une espèce de brouillard camoufleur. Ah, j'adore. Je pense que ça devait servir à se camoufler. Sauf que maintenant que j'ai tué tout le monde, j'en ai plus besoin. J'ai raté quelque chose ou quoi là? Parce que j'ai l'impression que ce que je fouille c'est vide. Nouvelle porte. Je retiens, j'y vais après. Petit truc, y a pas de sauvegarde ici, y a pas de sauvegarde. J'ai pas encore allé fouiller le milieu. Y a plein de trucs que j'ai pas fouillé encore. Ouh là, y a quoi là? Non, elle est fermée. Et ce routeur là, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Ouais, c'est la même chose. Maintenant, je vais aller voir ce qui se passe au milieu. Genre, hop. T'as rien du tout là-dedans. Bande de crevards, quoi. Vous avez tout piqué, les mecs. Ok, donc je vais aller fouiller là-haut. Là-haut. Allez, Zen. Bien, ça c'est vert, j'ai une raison. C'est encore un truc de routage. Ça ira.
Les mecs, je suis votre copain. Je vais dire que même je suis un grand copain de tout le monde. Il faudrait une sauvegarde. Là, il y a une carte. Là, il y a une porte qui est bloquée. Tiens, voyons voir un peu la vue qu'il y a ici. Il y a une belle vue quand même. Je peux continuer de descendre encore. Là, il n'y a rien. J'entends bouger au-dessus de moi. J'ai entendu bouger. J'ai entendu bouger et je vais me planquer. Je cherche une sauvegarde. Là, il y a ça. Là, il y a quoi ici? Il y aurait une impasse. Non. Il y a un autre truc par là. J'ai très peur. Y a pas un bruit. Et j'ai aucune idée de ce qui se passe. Saloperie des trucs. Ça c'est fermé, je peux pas accéder là-bas. Là tout est fermé. Il y a un casier pour se planquer là-bas. Il y a une carte là. Encore. Oh, une sauvegarde, c'est justement ce que je cherchais. Quand j'ai parlé, j'ai entendu un bruit. Un truc à ramasser là? Non, il n'y a pas de puissance. Je vais me rebaisser. Et je vais sauvegarder. Ok, bah merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Allez, ciao!